Salut tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo de Blood Bowl 2. Donc je vais vous faire une vidéo résumée avec l'équipe des nains, les champions de Zubat. Je mettrai pas les liens de vidéo parce que j'ai un petit peu la flemme, je vais pas vous le cacher. Ce que je vais faire dans le lien de la vidéo, je vous mettrai la description des matchs qui sont sur la chaîne de Sir Manette. Donc je vous mettrai le lien du quart et de la demi-finale. Donc notre équipe s'est arrêtée en demi-finale, voilà, première nouvelle. On va récapituler. Donc on s'était arrêté au dernier match de poule. Donc on avait perdu contre Storm en vidéo. Donc ça on s'en souvient. Ensuite on a eu notre dernier adversaire, le mort-vivant, qui a déclaré forfait pour des raisons personnelles. On nous a mis un match administratif qu'on a gagné 2-1. Ensuite on est tombé en quart de finale contre les morts-vivants de Steph. On a fait match nul mais on a réussi à passer au point avec un point de surf qui nous a bien sorti de la mouise. On est retombé contre Storm en demi. Ça a été un match très compliqué, il avait une bonne équipe, il a bien joué. Il m'a sorti pas mal de nains aussi, donc ça m'a pas aidé du tout. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de casser entre guillemets son équipe pour espérer que le finaliste en face de lui ait une meilleure chance. Donc je sais pas à l'heure actuelle qui a gagné. Donc on vous garderait sur la chaîne de Sirmanes pour ça que ça intéresse. Donc on a perdu 2-0. Donc voilà l'équipe un peu que j'avais faite à l'époque, mais je me dis que j'avais fait une petite erreur dans les choix. J'ai pris tous les positions, donc ça c'est pas pour moi, c'est pas une erreur, attention. Mais je pense qu'au début j'aurais dû prendre les 3 relances et apprendre la petite carte plus tard. Je pense que ça a été une erreur. Après, la malchance qu'on a eu aussi, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'XP sur nos autres joueurs. Donc l'essentiellement c'était un coureur qui avait l'XP, mais deux coureurs, donc comme vous le voyez. Après, on n'a pas eu beaucoup, on n'a eu qu'une garde à Nantin. J'aurais eu une garde en plus, peut-être une châtaigne sur un blitzer. Je pense qu'on aurait pu espérer quelque chose, mais bon. Donc nos stats à l'heure actuelle c'est 2-1-3, donc c'est pas fameux avec des nains, je vous l'accorde. Donc voilà, je vais supprimer cette équipe. Donc avec les nains je partirai toujours sur 3 relances si je joue encore Blood Bowl 2. Mais bon, comme là ça a été une de mes dernières complètes, comme je le disais dans une autre vidéo. Ah oui, je peux pas la supprimer parce qu'elle fait partie d'une ligue. Donc, pour moi la complète elle est terminée. Donc je supprime l'équipe. Elle a fait ce qu'elle a pu. Bon, j'aurais pu faire mieux à certains moments, qui sait. Mais bon, donc, suppression d'équipe. Donc là, il nous reste plus qu'une seule compète à l'heure actuelle. C'est avec notre équipe du chaos. Bah, ça se passe pas bien, mais il nous reste 3 matchs minimum. Parce qu'on a aussi un match de playoff, quoi qu'il arrive à la fin. Donc on est derrière notre poule, hein, c'est la cata, mais bref. Il faudra aussi que je fasse le replay de la finale de l'ancienne compétition d'avant. Donc bientôt 2 compétitions et tout le monde sera content. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, donc je mettrai les liens. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à liker, à mettre des poupous. N'oubliez pas la page Tipeee dans la description pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne. Et encore merci à tous ceux qui m'ont aidé. Donc, une partie de l'argent a servi à acheter le nouvel ordinateur qui viendra plus tard. Donc voilà, allez, prenez soin de vous les amis, ciao ciao.